Donc aujourd'hui, la vidéo va consister à ce que je vous fasse le deuxième épisode de l'histoire, voilà, l'amitié avec entre un cheval et une cavalière. Voilà. Donc ce sera une vidéo qui se fera avec l'interface d'utilisateur parce que dans mon premier épisode quoi, souvent parfois ça remettait pour certaines choses l'interface d'utilisateur et c'était vraiment très pratique parce que à la base moi je voulais faire une histoire sans l'interface d'utilisateur. Du coup voilà. Et du coup ça se fera avec l'interface d'utilisateur. Par contre, regardez, je vais vous montrer. Par contre, je vais aller cacher le nom des joueurs. Parce que ça, par exemple, pour une histoire, déjà que l'interface d'utilisateur, ça fait pas réaliste. Mais déjà le nom des joueurs, ça fait encore moins réaliste. Du coup, voilà. On va faire comme ça. Du coup, c'est parti. J'ai été prendre mon petit déj, ça m'a fait du bien. Salut toi. Je vois que tu as envie de jouer, mais je ne peux pas jouer avec toi, désolé. Tu as mangé au moins, c'est ça qui compte. Bon. Sinon, je vais aller voir mon petit Small Spirit. Aujourd'hui, je vais lui faire un petit peu de western et je vais aller lui montrer ses copains de New Hillcrest. Voilà. Ah, je l'ai mis dans un petit box. Je suis très contente, vraiment. J'espère que je recroiserai beaucoup d'autres chevaux comme ça. J'aime bien m'occuper de ces chevaux. Et puis peut-être que un jour ou l'autre, dans pas longtemps, j'irai lui remontrer Sudoven pour qu'il voit, mais en toute confiance. Ah voilà. Bonjour mon grand, tu vas bien? Alors, ça a été cette nuit? Oh oui, tu es très mignon. Tiens, hop, le tapis, la selle, le filet, et je vais te mettre des bandes pour être sûr que tout va bien aller et que tu ne te fasses pas mal aux pieds. Allez. Non, je pense que plutôt, déjà, je vais te prendre en longe. Voilà, enfin. Voilà, allez, viens. C'est très bien ça. Tu laisses passer. Voilà, merci de pas me rentrer dedans. Allez. Viens jusqu'ici, mon grand. Voilà. Allez, je monte. Allez, hop. Allez, on va commencer par une petite détente. Opa, opa, opa. Voilà. Dis donc, tu es bien réveillé ce matin. Mince. Allez, au trot. Allez, compteur. C'est bien ça. Mais dis donc, je crois que tu veux galoper vraiment beaucoup. Je vais d'abord aller voir la vétérinaire. J'ai deux petits mots à lui dire. Hein? Bonjour madame la vétérinaire. Bonjour Mathilda. Alors, bien, qu'est-ce qui t'amène ici, hein? Tu m'as encore bafouillé. Non, c'est juste pour te dire que je vais faire un petit tour. Bah c'est gentil de me prévenir Mathilda, mais tu sais, j'ai d'autres choses à m'occuper que de savoir que toi tu vas faire un petit tour. Bon allez, bon tour alors. Merci. Ouah, fais attention un petit peu. On a failli se mourir. Oh là là. Bon allez,
Je vais te faire un petit peu de western. Rien de mieux, pas vrai? Josh, maintenant, il s'occupe des courses de western qui sont ici. Allez, on va commencer par la course de tonneau, tiens. C'est bien ça. Allez, mon petit. Allez, voilà. T'inquiète pas, les tonneaux, ils vont rien te faire. Juste, si tu les touches, on va perdre du temps. Allez, avance un petit peu. Voilà. Allez, doucement. Avance, 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 avance. Oui, bravo, bravo. C'est bien ça. Je te félicite, mon grand. Maintenant, je vais te faire monter dans le vent. Tu vas voir, c'est très simple, mais tu ne dois pas avoir peur. Parce que, t'inquiète pas, hein, c'est pas... Voilà, doucement. Allez, viens. Allez. Ça va pas te tuer, hein. Regarde, c'est juste ça. On va aller où? Tiens, je vais t'emmener à Willcrest. C'est parti. Allez, viens. Oh là là, mince. Allez, viens par là. Oh, c'est énervant. Je crois que je vais plutôt monter sur ton dos. Voilà, allez. Je vais te faire la connaissance de Nathalie et de Ricky. C'est des gens très sympathiques, tu verras. Bonjour Nathalie. Bonjour, tu fais quoi ici enfin? Je viens lui faire découvrir des chevaux pour qu'il voit des chevaux de sa race. Ah, très bien. Tu l'as fait faire du western, peut-être? Effectivement. Présente-lui, l'a dit. Elle est très gentille pour cette fois. Alors, tu fais quoi, toi, ici? Bah, moi, il paraît que je viens voir des chevaux, des Islandais, des chevaux de ma race, apparemment. Moi, désolé, j'aime pas trop parler, alors... va voir des chevaux, c'est en haut, c'est à New Hillcrest. Si on est à l'écurie de New Hillcrest, on n'est pas dans la ville. Bon, bah, j'y vais, je crois. Allez, viens ici. Bon, bah, merci Nathalie pour la présentation, l'a dit. Après, je te ferai faire faire... Je te ferai faire une petite course, rien que pour s'amuser. Regarde. Ici on a Ricky. Salut. Bonjour Ricky. T'approche pas. Bah c'est bon moi, tu peux te contrôler quand même. Quand je fais du sport, je peux jamais me contrôler. Bah dis donc, il a l'air sympathique le gars, hein. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Bon bah, salut Ricky. Salut Mathilda. Il est pas de très bonne humeur parfois quand il fait son sport. Tu vois, ici c'est un comme toi. Salut, t'es comme moi toi. Tu viens d'où? Moi je me suis... Comment dire? Perdu sur la plage de Sudoven. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? T'es pareil que nous. Je me suis échouée sur la plage de Sudoven. Regardez maintenant avec qui je suis, avec une cavalière. Vous êtes à vendre. Quoi, ça te fait rire? Bah ouais, un petit peu quand même. Salut, toi. Bonjour. T'es tout noir, toi. Bah oui. Et toi, t'es noir et blanc, hein. C'est pas mieux.
Oh là là, ils sont pas très aimables. T'inquiète pas, enfin, je te dis, et toi aussi, tu devrais être aimable. Hein. Salut, toi. Celui-là, on dirait un forêt noir. Pourtant, c'est bien un Islandais. Bon, allez, j'ai fini de te présenter tout ça. Maintenant, je vais te faire faire une petite course. Rien de mieux, hein. Allez, allez. Voilà, avance. Ginny, bonjour Ginny. Bonjour Mathilda. Tu veux essayer ma piste de course? Oui. C'est parti. Vas-y, vas-y. Je compte sur toi. Allez. Elle nous a installé une piste de course juste pour nous. Alors. Essaye de faire le mieux possible. En plus, après, ça t'entraîne beaucoup, tu sais. Allez, allez. Vas-y, Small Spirit. Allez. Je sais que tu peux le faire. Vas-y, continue, continue. Voilà. C'est bien ça. Continue, allez, allez, allez. Ah, mince. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, oh, oh. On est mort. Bon, t'inquiète pas. C'est pas si grave après tout. Je crois que la course ce sera pour un petit peu plus tard. Mais en attendant, je voudrais juste te faire découvrir un petit peu l'eau parce que... Allez. Tu vois? C'est juste ça. Allez, trotte. Ça va tout mouiller tes bandes, mais bon. Attends. Reviens ici. Ça a tout mouillé et bon, ce n'est pas grave après tout. Je vais t'enlever tout ça, vite fait, bien fait. Et on va galoper. Je vais juste laisser le filet. Allez, viens. Allez. Bon, très bien. Tu sais, c'est ici que, normalement, on t'a acheté. Après, je ne sais pas comment tu t'es perdu. Ça, c'est un mystère. J'aimerais un jour le découvrir pour savoir ton histoire. Mais bon, je ne sais pas vraiment à qui tu étais avant. Ça se trouve, tu étais juste sauvage. Mais comment... puis-je le savoir? Hein? Le sage ne sait pas manger. Après, si tu veux tout savoir, il faut que toi aussi, après, tu me racontes ton histoire. Et après, moi, je te raconterai mon histoire. Et oui. Il faut que tu me racontes ton histoire, d'accord? Il faut absolument que je sache qui tu es, comment tu es arrivé ici. Ça changerait tout. Comme ça, je pourrais te rendre à ton propriétaire, même si ce serait vraiment très dur. Je ne sais pas si tu as envie de le revoir. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui avec tu étais. C'est dur, tu sais, de ne pas savoir avec qui tu étais. Bon. Enfin, je suis très contente quand même de toi. Tu as très bien travaillé aujourd'hui. Allez, ya. Waouh. La crue, c'est un petit peu plus dur. Waouh. Je vais pas tenir. Doucement, doucement. Ah, au secours. Ah oui, doucement.
voilà, le talt. Très bien ça. Allez, on monte, ça va te faire les muscles, ça. Allez, allez, allez. On monte. Voilà. Hey, voilà. Bon. Bien. Pour une prochaine fois, je pense que je t'emmènerai découvrir des choses ou j'essaierai de découvrir ton histoire. Allez. Oh oui, tu es content. Allez. Je vais te ramener à un endroit bien tranquille où tu pourras te reposer.